Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro que nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Vraiment, aujourd'hui, je vais d'abord vous remercier. Remercier tous qui sont en train de me supporter, tous qui sont en train de répondre positivement aux appels que nous lançons sur vos abonnements, sur le partage de nos émissions lorsque nous mettons en ligne ces réflexions que nous pensons est bénéfique à la République démocratique du Congo. Mes remerciements, en tout cas, vont à ceux qui se sont abonnés récemment. Il y a un grand nombre de personnes qui nous ont rejoints et finalement, et à tous ceux qui sont en train de nous inviter sur l'espace pour que nous puissions expliquer effectivement nos réflexions et nos points de vue sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de discuter sur une chose. Comme vous l'aviez lu dans le titre, est-ce que l'état de siège sera-t-il une tache d'huile dans le budget ou bien dans une tache d'huile dans la campagne électorale du président Félix Tshisekedi? Parce que est-ce que l'état de siège avait atteint sa mission? Parce que récemment, nous avions vu, donc la semaine qui vient de s'achever ici, du 16 au 18, il y avait la réévaluation ou bien on en avait parlé. Le président de la République a convoqué une table ronde où on devrait discuter sur l'avenir de cet état de siège-là. Parce que finalement, le président de la République s'est rendu compte que l'état de siège, peut-être, elle était, je peux dire, contesté. Beaucoup de, surtout les participants ou bien le peuple congolais dans ces états-là où a été proclamé l'état de siège a été un fiasco selon la société civile, selon les commerçants, selon beaucoup de gens. Et finalement, le président de la République a vu qu'il fallait qu'il prenne une décision, mais cette décision-là devrait être motivée par vous, le peuple congolais. C'est comme cela qu'il a demandé à ce qu'on puisse réévaluer, pour qu'on puisse se rencontrer, afin qu'il puisse trouver la solution sur l'avenir de cet état de siège-là. La conférence a eu lieu. Donc, les agents qui ont été invités, les sociétés civiles, militaires, et tout le monde, et tous les gouvernements qui étaient, les partis qui jouaient dans l'état de siège ont été sur une table à l'esplanade du Palais du Peuple où ils ont discuté. Et les résultats, on nous parle qu'ils devront être transmis au président de la République afin qu'il puisse prendre finalement une décision sur cet état de siège. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de regarder qui bénéficie effectivement de cet état de siège-là. Est-ce que l'état de siège a-t-il accompli ses missions? À qui le profit? Ça profite au président de la République dans le bilan de son mandat? Parce qu'aujourd'hui, en principe, nous ne pouvons pas aller aux élections avec une partie de notre territoire sous-occupée, une partie du territoire que nous ne contrôlons pas. Nous voyons vraiment l'avancée, la CENI est en train de forcer à ce qu'on puisse respecter la constitution ou bien la date constitutionnelle qu'on s'est fixée pour les élections en 2023, donc en décembre. Et aujourd'hui, nous approchons vers la fin du mois d'août et il va nous rester presque 3 mois avant les élections. Et donc, nous commençons à nous poser la question, pourquoi maintenant que nous allons aller aux élections, il faut débattre maintenant sur la question de l'état de siège? À qui bénéficie cet état de siège? Elle était vraiment importante d'être mise là-bas. Quelle est l'évaluation? Quelle est l'importance maintenant s'il faut vraiment aujourd'hui lever cet état de siège-là? Alors, nous allons en discuter aujourd'hui. Et pour cela, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com.
Coopération CK dit le VPM Vital Kamere à la délégation de l'EAEACCA. Goma, en colère, des étudiants saisissent les gouverneurs sur un cas de kidnapping. Des dégâts incalculables dans l'incendie du camp Luka. Et puis Corneille Nanga vers l'arrestation de Corneille Nanga. On va sur actualité.cd, RDC, IGF, APLC et ICM sensibilisent les mandataires publics sur la bonne gouvernance et la nécessité d'accroître leur contribution dans le budget. État de siège, reconduction, requalification, levée, l'armée va continuer à accomplir ses missions régaliennes, affirme le général Sylvain Ekenge. On va sur Congo profond. Neuvième jeu de francophonie, Isidore Kouanja dresse un bilan positif dans l'organisation. Clôture de la table ronde sur l'état de siège de Félix Tshisekedi, le dernier mot, l'Ituri et le Nord Kivu, intraitable. 7 sur 7, Jules Alinguet à l'ISC, lorsqu'il s'agit de la corruption, il faut cesser de rire ou de réagir avec complaisance. Présidentiel, l'UDPS en congrès le 25 au 26 août pour entériner la candidature de Tshisekedi. Diplomatie Tshisekedi à Luanda pour le 43e sommet de SADC. On termine par Radio Okapi. Kasaï Oriental baisse le prix de carburant en Bujimaï. Béni, des milliers de combattants Maïmaï désirent déposer les armes. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'état de siège maintenant, ça fait presque deux ans que cet état de siège a été instauré en Ituri et au Nord Kivu. Nous avions eu des bavures, nous avions eu des appels à la levée de cet état de siège, puisque finalement, on s'était rendu compte que la mission que l'état de siège devrait rencontrer là-bas, devrait faire là-bas, n'a pas été atteinte. C'est-à-dire que la sécurité n'a jamais été rétablie. La chose la plus importante pour cet état de siège était de stopper ce massacre, de stopper cette insécurité, de stopper finalement que cette situation là-bas a été donnée à l'armée pour qu'elle puisse restaurer l'ordre de ce côté-là. Nous avions cheminé, nous avions vu qu'il y avait beaucoup de massacres qui se sont déroulés au cours de cet état de siège. Et c'est au courant même de cet état de siège qu'il y a eu le réveil de ce que nous appelons le diable du M23. Le M23 a conquis plus de 22 circonscriptions dans le Nord Kivu. Donc elle occupe aujourd'hui peut-être deux territoires sous les yeux du gouvernement congolais et sous les yeux de notre armée. C'était au courant déjà à partir que lorsqu'on a déclaré cet état de siège-là, que le M23 s'est réveillé au Nord Kivu. Maintenant, on se pose la question, est-ce que le M23 a-t-il défié le gouvernement? Avait-il une mission autre que de venir déstabiliser le gouvernement? Ou y avait-il derrière ça quelque chose qu'il devrait faire? Nous connaissons, le gouvernement, l'armée n'a pas pu se battre contre le M23. Et pendant ce temps-là, les massacres aussi dans le Nord Kivu, dans le Grand Nord, c'est-à-dire à Beni, Butembo, Lubero, là-bas, et dans l'Ituri, les massacres continuent. Et les gouverneurs militaires sont là comme des administratifs. On a vu maintenant les gens se dire que non, dans tous les sens, en disant que non, bon, l'état de siège, il y a eu augmentation de recettes et tout ça, la guerre. Je vais vous rappeler une chose, que dans une situation confuse, il y a une situation de guerre. Ça peut être, beaucoup de gens peuvent profiter de cette situation-là parce qu'il n'y a pas d'État, parce qu'il n'y a pas de sans-loi. Est-ce que cet argent qu'aujourd'hui, les Lituri et le Nord qui vous se disent que non, ils ont augmenté les recettes, était-il vraiment la mission primordiale à ce qu'on puisse établir l'état de siège? La mission principale était la paix. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a la paix en Ituri et à la paix au Nord Kivu? D'ailleurs, vous ne pouvez même pas quitter Goma aujourd'hui par route vers Butembo, vers Beni. Donc, l'insécurité n'a jamais été rétablie. Et ainsi, ici à Contact Pro Live, nous commençons à réfléchir en se disant, à qui bénéficie maintenant si on maintient cet état de siège-là?
à qui va bénéficier? Allons-nous aller aux élections pendant qu'une partie du territoire était sous état de siège? C'est là, je crois, que l'épine qui est sous le pied de notre président Félix Tshisekedi, en se disant, s'il lève aujourd'hui l'état de siège, c'est-à-dire qu'il aura accepté qu'il y a eu échec, et cet échec-là devra peser dans son bilan en disant que non, il commence les choses qui ne terminent pas. Malgré tout ce qu'il peut accumuler comme un bilan positif dans son mandat, mais cet état de siège va aussi peser sur la population du Nord qui vont en disant que, en tout cas, il n'a pas réussi son mandat. Pourtant, il avait dit son mandat sera considéré comme un échec s'il n'y a pas un rétablissement de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, ici, je ne suis pas en train de fustiger le président Félix. Je ne suis pas en train de critiquer Félix ou l'IDPS ou la gestion du pays. Je suis en train d'aller dans le fait. Le fait, c'est que vous aviez vu des députés de Butembo qui ont répertorié. Il y a un livre de mémorandum, il y a un livre de massacres qui continuent sous état de siège. Et puis, moi, je peux commencer déjà cette histoire-là en disant, lorsque le président de la République a été appelé à Beni, lorsque les enfants ont réclamé à ce que le président puisse aller là-bas, et lorsque le président viendra là-bas, les massacres ont continué. Et c'est comme ça que les députés du Nord Kivu ont répertorié, il y a un livre de massacres où on répertorie à peu près une affaire de 5000 personnes qui ont été tuées au courant de cinq dernières années. Et ces livres-là existent. Alors, on se pose la question maintenant. L'état de siège maintenant a servi à quoi? Qui a bénéficié de cet état de siège? Sont-ils ces militaires-là qui se sont enrichis illicitement? Y a-t-il des commerçants qui se sont enrichis? Ou bien même c'est l'État qui a vu que les recettes de cet état de siège, des recettes de l'argent, bien sûr, augmenter, les recettes de province augmenter. Où est la faute? La faute s'incombe toujours à l'État. L'État congolais n'existe pas, même jusqu'aujourd'hui, dans ces deux provinces-là. On ne sait pas exactement sous quel régime on est en train d'être gouverné de ce côté-là. Et ça pose problème et ça nous déstabilise. On se dit, est-ce que les exploitations minières, est-ce que les produits miniers qui sont exploités là-bas bénéficient-ils à l'État congolais ou bénéficient-ils à certaines personnes ou bien à des particuliers qui gèrent cette partie-là? On a vu l'État, on a vu le président de la République faire appel à d'autres armées étrangères pour qu'ils puissent venir essayer un peu d'aider les forces armées congolaises pour rétablissement de paix. Est-ce que cette paix-là a été rétablie? C'est ça le quid. C'est ça le grand problème que nous pouvons nous poser. Maintenant, allons-y maintenant sur la conférence qui s'est déroulée, ou bien la table ronde qui s'est déroulée à Kinshasa sur cet état de siège-là. Moi, je constate une chose. Lorsque on essaye un peu, parce qu'on est tenté maintenant, on a les résolutions ont été faites et il a été demandé à tous les participants de se taire jusqu'à ce que le président de la République puisse proclamer la décision finale pour la continuation ou bien l'arrêt de cet état de siège-là. Aujourd'hui, les acteurs qui passent dans les réseaux sociaux ou bien à la télévision ou bien dans le média, ils sont tous expectatifs. Cela démontre effectivement que nous, le peuple congolais, c'est dans ce sens-là que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Nous sommes toujours sous l'emprise d'un homme, sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc, il appartiendra au président de la République de décider s'il faut maintenir ou bien il faut casser cet état de siège. Il n'appartiendra qu'au président de la République. C'est pour cela que même l'envoyé spécial du président de la République à cette table ronde, je cite ici Jacquemin Chabani, il a passé sur Radio Okapi, il a été vague dans ses réponses en disant c'est au président de la République, les résolutions lui ont été transmises pour qu'il puisse se proclamer. Et je me pose la question, lorsque cet état de siège a été proclamé, il a été instauré dans les deux provinces là,
Est-ce que c'était à la demande du peuple congolais? Avons-nous eu une conférence où on s'était dit, en tout cas, nous, nous voulons cet état de siège? Non, c'était une résolution du président de la République au vu de la situation qui prévoyait sur le terrain. C'est le président de la République. Moi, je n'ai pas vu une conférence ou bien la convocation de certaines. Peut-être qu'il avait consulté les gens, notamment ou bien comme ça, ou bien dans ces... Dans ces relations, où, peut-être, mais nous n'avons pas vu une assise officielle où le président de la République demandait à ce que s'il puisse instaurer l'état de siège ou pas. Je n'ai pas vu ça. Et pourquoi aujourd'hui on peut appeler les gens à venir siéger, à venir sur une table ronde, discuter sur une histoire dans laquelle ils n'avaient pas pris part? Et nous avions vu cela. Lorsque le président est passé à Nouturi en disant que non, nous, c'est vous qui aviez demandé que nous puissions établir l'état de siège. Moi, je n'ai pas vu. Et lorsque vous demandez au peuple itourien ou bien au nord qui vous sient, s'ils ont été consultés pour l'établissement de cet état de siège, ça n'a jamais existé. Le président de la République avait consulté d'autres personnes et il a pris la décision seule. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il peut demander les gens de venir se mettre sur une table, discuter sur une histoire dont il n'était pas concepteur? Et c'est là qui démontre, justement, parlons de cette table ronde, c'est là qui démontre où même les participants à la table ronde ont été demandés de ne pas se prononcer. Et lorsque nous avions suivi ces conférences-là, il y a eu des groupes, il y a eu des thématiques qui ont été séparées. Des gens qui voulaient le maintien de cet état de siège, les gens qui voulaient à ce que cet état de siège puisse être parti. Et ces groupes-là, vous allez leur poser la question. D'autres personnes lèvent le ton en disant que ça n'a servi absolument à rien. Et la chose la plus grave encore que nous avions remarqué, c'est celui des déclarations même du porte-parole de l'armée. Et là, nous voyons que l'armée n'a pas pu. Et jusque-là, l'armée ne parvient pas à elle seule de rétablir la paix. On a dû recourir à d'autres armées étrangères pour venir aider, notamment l'Ouganda, le Kenya, et puis les autres pays, le Soudan du Sud, pour venir, le Burundi, pour venir essayer un peu de donner un coup de pouce ou bien venir en aide à l'armée congolaise pour rétablir la paix dans ces deux régions-là. Mais quel est le résultat? Le Burundi aujourd'hui est au sud Kivu, personne n'en parle. Le Burundi fait ce qu'il peut là-bas au sud Kivu, personne n'en parle. Voyons que même il y a certaines vidéos qui circulent où le Burundi s'est octroyé une certaine parcelle du côté de la frontière entre Uvira là-bas, où ils font des péages. Est-ce que là-bas aussi c'était un état de siège? Le Burundi était au sud Kivu, il n'y avait pas d'état de siège. Mais aujourd'hui, le Burundi, il y a un contingent burundais qui est là-bas, en disant qu'ils sont en train de combattre, je ne sais pas, les Ngomino et tous ces rebelles ougandais qui opèrent de ce côté-là. Et donc, la situation reste confuse, selon moi. Je pense que aujourd'hui nous sommes à la croisée du chemin. Et cette croisée du chemin va déterminer aussi, va peser aussi sur le bilan du président de la République. C'est pour cela qu'on est en train d'être hésitante. On s'est dit, allons-nous aller à éliminer cet état de siège-là? Quelle sera la conséquence du retrait de l'armée dans l'administration? Parce que l'état de siège, on a dit que non, l'armée devrait prendre l'administration de tous ces décombres. Donc, il devrait y avoir des gouverneurs nommés par le président de la République. Donc, c'est une partie sans loi. C'est comme cela qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que non, aujourd'hui, on peut appeler les gens pour qu'ils puissent discuter cet état de siège. Moi, je crois que c'est un non-lieu. Et quoi, je crois qu'on est en train de taper à côté.
On tape à côté, pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas vous dire, ils n'ont pas le pouvoir de dire que non, cet état de siège doit partir, parce que ce ne sont pas eux qui ont été consultés pour l'établissement de cet état de siège-là. Vous voyez comment est-ce que notre pays, nous sommes en train de divaguer, nous ne connaissons pas exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas un plan directeur que nous suivons pour que la République démocratique du Congo puisse sortir effectivement de ce marasme de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. On est en train de faire des essais et erreurs. Et là, ça montre carrément que nous ne maîtrisons pas la situation dans notre pays. Nous n'avons pas un plan directeur réfléchi en se disant « voici la solution ». Ça sera une solution diplomatique. Et comment est-ce que nous allons y aller avec une solution diplomatique? On va appeler la SADC, tantôt c'est l'EAC, tantôt ce sont les autres forces, les mercenaires, on voit les Russes là-bas. Il y a une confusion totale là-bas. Alors, mon point de vue maintenant sur cet état de siège-là, moi je pense que cet état de siège n'a pas de raison d'être pour l'instant. Il faut nous atteler à refondre le pays. Et j'avais dit ceci, que la paix à l'Est ne devra venir qu'avec l'impulsion de la population à l'Est. Lorsque les gens de l'Est, lorsque la population de l'Est sera en conférence et on prendra une mesure en nous disant, il faudrait que tout le monde s'implique. Et les gens qui doivent s'impliquer, ce sont les notable, c'est la population elle-même, c'est le peuple congolais à l'Est. Et ainsi, la solution que nous proposons ici, c'est cette convocation de conférences intercommunautaires ou la conférence des états des lieux que nous proclamons ici. Il faudrait que le peuple congolais, dans chaque territoire, dans tous les territoires là de l'Est de la République démocratique du Congo, soit convoqué des états des lieux où le peuple congolais va se désigner, va réfléchir et se regarder en face en disant « qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tuerie? Comment est-ce que nous pouvons prendre l'avenir? Comment est-ce que nous pouvons terminer cette histoire ici de l'insécurité chez nous ?» Ça ne devrait pas venir de Kinshasa, ça ne devrait pas venir d'un homme. Parce que même les résolutions, que si le président de la République peut prendre aujourd'hui une résolution à ce qu'on puisse continuer l'état de siège, qu'est-ce que la conséquence sera? Nous allons brocher la Constitution. Nous allons violer la Constitution en allant aux élections avec une partie de notre pays en guerre. Parce que même si nous ne déclarons pas cette guerre-là, mais il y a une insécurité criante à l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko ya ngwana tozolo belabino boye awa. Que makambo ya ko longolana ko tika état de siège, etali peuple congolais te. Batu o bazako solo la kuna na Kinshasa, zaka ka batu moko bazwama ki ba benga mer ki kuna, ba o ba supporter o ba nani, eko kende na faveur ya nani. Et c'est là que nous sommes en train d'interpeller le président de la République en disant « il faut qu'on s'arrête à un certain moment. » Moi, je pense qu'il faut qu'on s'arrête pour que nous puissions réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et il ne faut pas que ça soit comme les autres sont en train de dire, il faudrait qu'il y ait une transition ou quoi que ce soit. Arrêtons-nous d'abord. Et nous avions appelé le président de la République de prendre une décision en disant « toti kana nou makambo ba élection, to banda » ko solola nanu bisoto zwana nu cohésion nationale to solola batuba yeba tozo kende wapi mboka na biso na 2020-2040 eko kende ndenge nini. Et le plan que nous prenons ici, c'est cette restauration d'un état. L'état ne sera pas restauré par des paroles, par des actes, par la cohésion nationale, en appelant le peuple à se parler et à discuter sur l'avenir de son pays. Et enfin, à ce moment-là, nous pouvons taire l'insécurité, parce que ba tribu, peuple na base, ce qui ba zui mikano akoloba ke non, en tout cas, biso problème ya liboso atolingi to résoudre eza paix. Bon, paix yango eza kozala na banani ba tumsusu baza ko réclamer o biso toza ba congolais te, o biso toza ba congolais o biloko na nyonso to traiter yango à table. Il faut que le peuple congolais puisse se mettre sur table. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pour que cette histoire-là puisse terminer bien, il faut l'appel. Il faut qu'on fasse un appel des états de lieux de chaque territoire. Et qu'on qu'on a la paix kaka na nord qui vous tenez na Ituri kaka te. Il faut que ça soit sur l'ensemble du pays.
C'est comme cela que nous posons cette solution-là en disant la solution devra être négociée. Et donc, la solution devra être diplomatique. Et cette diplomatie, c'est dans le refondement du pays. Il faudrait que sur toute l'étendue du pays, qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État ne se rétablira pas par la force ou bien en envoyant les armées ou quoi que ce soit. Les armes ne nous développeront jamais. Les armes n'amèneront jamais la paix. La paix viendra justement lorsque les gens vont s'entendre en se disant Congo na biso eza kokende mabe. To sala ndenge nini? Bino pourquoi tozo bunda? Alors la refondation de ce pays là deviendra là où lorsque les gens vont se mettre d'accord en se disant to tiki mandoki. Alors pour tiki mandoki, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici à Contact Pro Live nous disons la première des choses qu'il faut faire dans ces états de liés, ces états de liés devront être dotés de pouvoirs de recensement et de l'identification des Congolais. Tant où batu bakovanda na ba région wana mibale mi oza na kati état de siège wana batu bavandi balobi te insécurité e fo isila e ko sila ndenge ni ko sila na far de sete. Alors batu tout nyoso tout basimba ki mandoki na ba il faut ezala na ba chaque territoire, le peuple de chaque territoire devrait se mettre d'accord. Batuna kati ya ba territoire na bango fallait batuna na ba yebana ke non awa ezali boye awa tozo kende mabe awa tozo kende malamu te awa ifo zali poto peba to ba simba mandoki ba yana nous s'identifier to yeba ba groupes armés ngo bazaneng. Et ici nous avions dit les gens là on devra créer une police de proximité justement en attendant que ba processus wana ya ba état de lieu ya ba chaque territoire et salema. Je dois me répéter ici en disant que ces états de liés devraient être se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour proclamer un nouveau Congo avec une nouvelle constitution. Et là, quand on a une insécurité, s'identifier. Les gens, quand ils viendront s'identifier, ils vont maintenir Yakoloba Tozoto Ngamboka Asika. Et les gens vont réfléchir maintenant comment est-ce que l'armée Asika Kotongama n'a pas bilo Kouana Nyoso. Alors, ici, je vais vous demander une chose. Na zole kakaka na mbangu na solution on a zako proposé a. Si vous me suivez pour la première fois, ici nous sommes pour la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et le processus que nous avions dit, c'est la convocation des états de liés de chaque territoire à une période bien déterminée. On peut nous donner par exemple 6 mois. En nous disant, le peuple doit parler. Le peuple doit se parler et pour prendre des dispositions qu'eux-mêmes respecteront. Ce qui est le lobby, c'est que mon conseiller, mon comte, a une décision sur Mboka Mobimba, et ça aussi Mbate Bandeko. Nous devons refondre ce pays et il est grand temps à ce que nous nous mettons un peu d'accord en se disant Tozo kende mabe, administration zalite, l'état zalite, refondons un nouveau état et au état au bisogno surtout toko respecter au mutunyo surtout ko se sentir que non aza capable à ko exercer babilo ko nae na kati kura. Mais sans cela, nous allons toujours continuer dans les cycles de violence parce qu'il y a des réclamations, il y a des gens qui volent, mais je suis Ezali, Babilo Konyo Soto Ezali, bientôt, élection Tokokene Nangona Kiburu, Yekekaka Nengwana, sans que nous ayons obtenu un consensus national et Abakoyakotia, Bakongolais, nous sommes ensemble en disant voici ce que nous devons respecter. Et nous pensons que en convoquant les états de lieu de chaque territoire, dans chaque territoire, Batuyakuna Bakosolo là. Ils vont se dire que non, voici, nous avons à peu près une affaire, il y a solo là. Na biso na ko trouver ba solution moko oyo o biso to banzi ke ba solution ana yangwana kozala ba solution auto kozala appliquer. Alors, il y a une émission que je vais faire une réaction demain et je pense que cette solution là, ça sera l'appel pour expliquer comment est-ce que ba état de lié wana kozala ka et Kozalaka applicable. Voilà un peu, mes chers amis, là où je vais m'arrêter aujourd'hui, en espérant que vous allez continuer à partager nos émissions. Et si vous la recevez pour la première fois et que vous êtes intéressé par ce sujet-là, abonnez-vous pour que Ide Oyo, tant que vous êtes abonné à la vidéo, vous avez la visibilité belle et ça pourra passer, l'idée pourra passer à ce que le président de la République, Ayoka, Kolela na biso pona Congo ya sika.
Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.